Mesdames, mademoiselles et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tout. Encore une fois, nous souhaitons bienvenue ou sous TV La Caille, canal information. Son plaisir pour nous avec vous, malgré gens nous connaissons la situation. Dans le pays d'Haïti, dans divers départements, dans la ville pays, eh bien, nous portons information pour vous. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, gros cause qui a parlé là. Et je dis à la Gary Pierre-Paul Charles, Gary Wonan, crasé tout ça en dedans. Eh bien, ça, et donc, secret ça, qui lui-même, jusqu'à présent, pour qu'on ait ouvert pour connaître qui est ça, qui gros bourgeois, qui gros homme politique, ou bien qui gros homme d'affaires, qui mettait la vie président Jovenel Moïse à zéro. Et je dis à la, nous pas un président dans le pays, hein, c'est le ministre qui a dirigé, eh bien, pays a un des autres, mesdames et messieurs, nous pas inviter autant de causer ça, et ou même, quittez commentaire en bas vidéo pour dire nous qui sont pensés. Est-ce que vous pensez que c'est monsieur Nèg ça, lui-même, même ça, qui t'a fait gros ces actions ça? Nous allons inviter au gain détail, restez connectés, pas oublier pour si là qui nouveau sur le canal ça, ou sous TV La Caille. Donc c'est toujours avec même dans détermination, même mission, et donc même devoir, c'est informer ou sous actualité, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, nous toujours là, nous bousquer, nous chercher en bas toute paille, en bas toute roche, dans tout raccoin pour nous porter information pour vous. Nous tournons, restez connectés. Depuis l'assassinat lâche du président de la République, Jovenel Moïse, on assiste presque désarmé à une situation de crise aiguë et peuple a perdu dans les déclarations des hommes politiques et des femmes politiques, Val Campagne, Marco GPPC, Duval, Henri Guerrier, peuple a perdu dans la déclaration Tijan a fait. Écoute, nous, nous tournons nous au ridicule. Et nous, nous avons Val Campagne, Marco. Très sérieux pour nous régler. Je dis à, au lieu de l'acte 5, pour qu'on a accès là, parce que nous avons invité là, parce que va la campagne pour parler avec nous, nous avons invité, comme si son méga star qui s'invite là, même te vle dit 2-3 paroles dans 5 minutes. Jovenel a été assassiné. Et pourquoi? Parce que vous tuez monsieur, pour raison. Vous tuez Jovenel parce que des gens qui ne voulaient pas pouvoir. Nous ne rendons pas compte. Objectif, les gens qui tuent Jovenel, ils n'ont pas atteint l'objectif. Parce qu'ils n'ont pas arrivé pour pouvoir. Donc, le tueur ou l'assassin, il est encore dans les rues. Donc, prochain monde qui parle mourir, c'est peut-être Ariel Henry. Prochain monde qui parle mourir, c'est peut-être Joe Lambert ou Edgar Leblanc. Parce que assassin, il n'y a pas qu'on peut pouvoir. Parce que tuer Jovenel, c'est pour pas pouvoir. Donc, le tueur se trouve encore dans les rues. Ce qui se passe, c'est que la politique. Il n'y a pas de logique de tueur. Il y a besoin de même pour pouvoir. Il y a besoin de pouvoir. Maintenant, le tueur cherche à épouser Ariel ou éliminer Ariel. Puisque Ariel a fait une déclaration à Scoop disant que lui voulait un exécutif monocéphale. Donc, le tueur, l'assassin, l'auteur intellectuel joue maintenant pour que le pouvoir exécutif lui vienne bicéphale. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre le grappin sur Ariel Henry, même il prend le pouvoir.
Parce que l'objectif était de prendre le pouvoir. Si cette Joël Lambert qui arrivait sous pouvoir, ou bien Gardi Leblanc, ou bien le troisième monde, si tu n'as pas réussi, bye direction que le besoin bail là, après l'assassinat de Jovenel Moïse, donc il est obligé de tuer Lambert, tuer Edgar Leblanc, ou bien l'autre monde. Non. Parce que l'assassin court encore dans la ville. Nous ne comprenons pas ça. C'est des éléments extrêmement importants qui permettent de nous comprendre que le tueur, l'auteur intellectuel, cherche des moyens pour ne pas pouvoir. Normalement, si tu as l'armée qui existait, Ariel t'a tombé déjà. Ou t'as jeté Ariel déjà. Si l'armée était existée, je dis à côté de Paléa, en Haïti, je viens de mourir et c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Pas t'as le premier ministre qui veut. Parce que tu es là, besoin de pouvoir. Mais pour prendre pouvoir, pour qui ça? Mes questions. Pour mettre une autre équipe sous pouvoir. Mais l'on est pour pouvoir en Haïti, qui sont faits avec elle? Pour qu'il n'y ait pas payé douane, pour qu'il y ait directeur général quand vous voulez, pour qu'il y ait contrat avec l'État. Donc, le tueur, c'est un homme d'affaires. Fini, monsieur. Le tueur est un homme d'affaires. Le tueur n'est pas un homme politique. Le tueur est un homme d'affaires. C'est la prochaine thématique de prochaine émission que nous allons faire. Le tueur de Jovenel Moïse. L'assassin de Jovenel Moïse. Il n'a pas quitté l'élection faite. Mais le tueur se trouve en face d'une réalité. Si Blanc n'a pas soutenu Ariel, nous t'avons dit, ouais, qui est-ce qui t'a tué Jovenel? Mais le tueur se trouve en face du Blanc aujourd'hui. Le Blanc soutient Ariel Henry. Et le tueur joue de loin ou de près au niveau des classes politiques, de la classe politique, au niveau des partis politiques, pour que tueur arrive à jouer le pouvoir. Blanc, Pocovlé, schéma, bicéphale. Mais Ariel Henry, gagne mission pour eux. Sécuriser le pays. Deux, faire l'État rentrer comme rapide dans l'institution, par exemple, la douane, port, aéroport, et puis troisièmement, organiser les élections. Si Ariel Henry n'est pas connu pour confiner dans l'agenda, ça, il n'est pas pour retirer directeur à droite, directeur à gauche, il n'est pas pour faire ça. Ariel Henry a pour vivre un côté, Blanc a pour obligé choisir. Soit on le premier ministre, ou bien l'option bicéphale. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, option bicéphale là, il était possible. Si le président montait, il a pour agenda, côté n'a à quoi pas signé, hein? Il a pour obligé qu'il y ait Ariel Henry. Mais n'a quoi pas bien ça. Parce que le président, force qu'à mettre mon président, la commande retirer Ariel Henry de façon à ce que vous mettez un premier ministre par eux. Et c'est là, auteur intellectuel là, pour être plus à l'aise pour jouer en un pays là, parce que le ça, pas de trace Jovenel encore. Parce que seul sacré était comme trace Jovenel, Jodia, c'est Ariel Henry, un petit morceau qui était. Jovenel, pas de trace encore. Pour éliminer Jovenel, net, faut Ariel. Là, il faut révoquer le secrétaire général de Balea. Mais on a déjà récupéré le secrétaire général au niveau du Balai national. Déjà récupéré. Et je vous annonce donc qu'il y a un conflit latent au niveau du Balai national. Un conflit latent au niveau du Balai national. Ceux qui détiennent les armes veulent donner des directives au niveau du Balai national. S'il n'avait pas de blanc, t'as bon coup d'état à côté de ma palais, nous là, à soi là. Si pas de blanc, n'est pas de palais, on t'a pris de palais, à soi là. Et bien, fusillé, secrétaire général là. Moi, d'abord, nous ne pouvons pas connaître qui ça nous prend là.
que dans une dynamique de prise de pouvoir, quelqu'un ose penser. Val, compagne, revoyez 300 policiers affectés au palais national. De cette situation de crise, vous n'êtes pas censé pour faire ça. Un comportement revanchard, parce que l'aile était là. Moun palio yo te transféré, koun yal vini, y a pour retirer 300 moun. Le secrétaire général a dit non. Et je demande aux Américains de protéger le secrétaire général, parce qu'un bon matin, yo ka tué. Nous sommes en présence d'une situation explosive. Où on ne va pas parler de coup d'État. Parce que blanc américain là, parce que c'est l'américain et les policiers qui commandent et qui dirigent le palais national. Si blanc n'est pas là, déjà il qui paraît. C'est pour s'encouler. Parce que l'on est fait un coup d'État classique sur l'on vient tuer. Ou mettre comme dehors. Mais pour ça, l'on tue là. Victoire pendant l'assassinat, je viens là. Parce que si victoire d'un assassinat, je viens là, nous n'avons pas été dit. La victoire est de la prise du pouvoir et de les contrats à venir.